j'espère que vous allez bien. Je vous ai écouté, manifestement vous préférez ce fond, je comprends, c'est plus aéré, plus lumineux. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré mes trouvailles mode, je sais que vous adorez ce type de vidéo, donc je vais vous montrer. Comme d'habitude, c'est toujours les mêmes enseignes, à savoir Zara, Mango, H&M et un petit peu d'Etam. Donc voilà, c'est encore les soldes, je sais pas jusqu'à quand. Mais l'intégralité de ce que je vais vous présenter, je l'ai eu remisé. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Vous allez être très contente parce que une des vidéos qui m'a été plus demandée sort dimanche prochain. J'en dis pas plus, on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses. Alors on va commencer par les seuls accessoires que je me suis procurés. Elles sont magnifiques, ces petites boucles d'oreilles. C'est des boucles d'oreilles de chez Mango qui se présentent comme ceci, que j'aime énormément. Celles-ci, elles n'étaient pas remisées, mais vous savez, quand vous faites partie du programme de fidélité de chez Mango, en fait vous cumulez des points et voilà comment est-ce qu'elles se mettent. Elles sont vraiment super jolies, j'aime beaucoup. Donc voilà, seul article non remisé que je vous montre. C'est un truc de fou, ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé et c'est un truc de malade comme mes cheveux ont poussé. Pourtant je vous assure, j'ai rien fait de particulier. Accessoire. J'ai une copine qui m'a pas encore offert mon cadeau d'anniversaire et je sais ce que c'est un sublimissime chapeau. Qui est plus un chapeau d'automne-hiver. Je l'ai pas encore reçu mais je pense que je le porterai sur Insta, donc je vous montre. Je me suis pris ce petit chapeau que je trouve magnifique, ça pour l'été. Ça va être canon. Moi les chapeaux c'est quelque chose que j'adore. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble, vous voyez. Hop. Mais vraiment c'est le genre de chapeau que tu mets l'été en mode tranquille, en terrasse, tu te promènes avec ta petite paire de lunettes. Je me dis que ça serait le type de chapeau génial pour cet été. Ça fait des lustres que j'ai pas pris de vraies vacances. Voilà, je voudrais vraiment partir cet été si c'est possible bien évidemment. Et j'ai vraiment envie de partir avec mes frères et sœurs. Vraiment, j'ai envie qu'on se fasse ça. Ça fait des lustres qu'on n'est pas partis en vacances tous ensemble. Et je veux qu'on se fasse ça qu'entre nous. Alors si vous voyez la petite queue qui se promène par-ci, par-là, c'est Miss Micha. Pas mal de chaussures. Et alors je vous montre pas tout, mais une folie du pyjama. Et en ce moment j'ai une obsession avec tout ce qui est robe de chambre, vous voyez, en satin. C'est mon kiff absolu. Rien que dans ce haut, je vais vous en présenter 3. Bref, on continue. Avec un body, j'adore la couleur, alors je suis désolée il est froissé, il est magnifique, c'est ce body là, un peu brique, même clairement brique, qui est magnifique, de chez Zara. Moi je l'ai en M, il était à 16 €, je l'ai payé 4 €, donc autant vous dire, voilà. Je vais essayer dans la mesure du possible à chaque fois de vous mettre les références, mais comme c'était en période de solde, qu'il n'y a jamais rien eu sur le site, ou presque, tout est parti en 3 secondes, honnêtement les filles, je veux pas être défaitiste mais je pense que vous allez galérer pour vous procurer la plupart des articles, mais quoi qu'il en soit je vous mets les refs. Ça franchement ce body là je l'adore. Il y a un truc qui me frustre chez Zara, c'est qu'en fait j'ose rien acheter parce que j'ai s'il y a bien un truc que je ne supporte pas, je vous l'ai déjà dit, c'est de me rendre compte que je me suis fait berner sur un prix et de voir qu'il y a eu des baisses de prix. Ça fout tellement la haine que j'ai envie de rendre le produit. Donc il y a des trucs, c'est neuf, ça arrive tout le temps dans les promotions et il y a notamment 2 articles qui étaient dans ma ligne de mire et qui sont arrivés dans les produits à petit prix. Donc j'ose rien acheter plein pot chez Zara parce que je me dis qu'à chaque fois il va y avoir une baisse de prix où je vais me faire avoir. Donc bref, petit body, canon. On poursuit avec du Etam. Alors ça c'est clairement un bas de pyjama. Mais vous pouvez tout à fait l'utiliser les filles. Et moi je me dis pourquoi pas, je sais pas, cet été en mode tranquille à la cool avec une paire de nu-pieds. Je me suis trouvé ce bas de pyjama. Alors je l'avais vu en vitrine et je me suis dit ouh, j'adore la couleur, j'adore la couleur. Alors il est tout froissé et puis comme ça, ça va peut-être pas payer de mine. Je vais voir si je peux vous le porter. En fait c'est un pantalon comme ça qui est un petit peu je sais pas, vert pétrole, vert émeraude, on va dire, qui est un peu vert pétrole, vert émeraude, qui est sublimissime. En fait là vous avez possibilité, vous voyez, de resserrer et qui est comme ceci, qui est assez long sur le côté, je crois qu'il y a des fentes. Voilà, qui est super long, archi confortable. Voilà. Bon, comme ça, ça paye pas de mine, mais je vous jure, avec un joli chemisier ou un joli débardeur, l'été, je suis sûre que c'est canon. Mais moi, voilà, je vous l'ai dit, je m'utilise en pyjama. Pareil, j'ai acheté plein de pyjamas. Alors, je vous montre les pyjamas les plus intéressants. Les trucs, c'est pas particulièrement joli, donc voilà. C'était pas la remise du siècle, hein. Au lieu de 30 €, j'ai dû payer 21 €. Et moi, je l'ai pris en taille L pour être sûre que mon popotin rentre. Alors, ensuite, je me suis pris ce t-shirt. Je me suis dit... En fait, le problème avec le léopard, c'est ce que je vous dis souvent. Je trouve que ça peut vite faire un peu cheapos, un peu ostentatoire. Et celui-ci, je le trouve trop beau, en fait. C'est un petit débardeur que j'ai chopé chez H&M, qui se présente comme ceci. Vous savez, moi, tout ce qui est asymétrique, j'adore. Et alors ça... Avec par exemple un palazzo noir
une paire de talons, c'est super chic, j'adore, je le trouve vraiment joli. Voilà, faites attention les filles parce que les remises que vous avez en magasin ne sont pas les mêmes que vous avez en ligne et vice versa. Ça typiquement en magasin, j'avais vu la remise, j'avais vu qu'il était à 5€ au lieu de 10, donc franchement c'est pas grand chose. Je vais pour le payer en magasin et on me dit 10€, je fais bah attendez il est pas à 5€, je fais ah non non ça c'est le prix boutique, je fais, je vais pas le prendre, je vous le laisse, je vais le prendre en ligne. Donc voilà, très très mignon, je vous montre porté. Après faut aimer le léopard c'est sûr. Ensuite petit top noir que j'adore, que j'ai déjà porté et je pense que c'est pas la première fois, c'est peut-être même un rachat pour vous dire tellement j'adore ce type de top. Sauf que celui-ci il est un petit peu en laine, c'est de chez Mango. Et alors moi je vous dis tout ce qui est asymétrique, noir, avec des coupes assez simples, je suis amoureuse, je l'aime beaucoup. Par contre faites attention, ça taille petit. Moi j'ai pris du L parce que je sais que ça c'est typiquement le type de matière, même si je lave vraiment à très basse température, qui a tendance à rétrécir. Donc faites attention. Mais voilà, c'est un top que j'adore. C'est le genre de top que je peux porter en toute occasion. C'est le genre de petites choses que j'adore. Pépite. Pépite absolue mesdames. Pépite, pépite, pépite. Ça c'était un... Donc c'est dans la nouvelle collection de chez H&M. Et en fait je cherchais... Vous voyez, un legging pour le sport et celui-ci en plus il a plein d'aération, donc génial. Ce que j'adore c'est quand la taille est très bien maintenue et que c'est très moulant. Je déteste avoir des trucs qui sont un peu amples ou quoi, je veux que ça épouse vraiment toutes mes formes et que je sois pas gênée quand je fais du sport. Et c'est une merveille. Ça ma soeur m'avait dit, ça a l'air d'être une tuerie atomique, mais je te parie que c'est transparent. Ce n'est pas du tout transparent. Pourtant je peux vous assurer qu'il y a de quoi étirer la matière. Et non vraiment il est d'un confort absolu. Vous sentez que vous avez la taille qui est grave maintenue. Génialissime. J'ai déjà moins des choses dans la gamme H&M Sport. De toute façon H&M, honnêtement quand vous allez en magasin, on se fait chier chez H&M, je vous l'accorde, c'est pas forcément bien rangé, mais alors en ligne ils ont des pépites. Quoi qu'il en soit, tuerie atomique, j'adore, j'adore, j'adore ce truc là. Toujours chez H&M, ça je vais essayer de vous le montrer porter. J'étais pas certaine de la couleur, c'est un vieux rose et en fait je vous ai dit hein, j'ai un problème, j'ai une sorte d'obsession pour tout ce qui est un petit peu robe de chambre et en fait j'en avais pas de cette couleur là et surtout j'en avais pas des longues, j'en ai que des vous savez qui arrivent au niveau en dessous des fesses et j'en voulais vraiment une longue et elle est magnifique. Là ce que je voudrais c'est m'en trouver une bordeaux. J'adorerais m'en trouver une bordeaux et j'aimerais trop m'en trouver une genre vert émeraude. Il est sublime, je trouve que c'est super classieux. Moi tout ce que je vous dis en ce moment j'ai une obsession pour le satin. J'adore, 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 j'adore. Toujours côté nuit, j'ai hésité à me l'acheter et en fait je me suis dit non elle est trop jolie. C'est ce petit top on va dire. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui le portent en journée. Bah voilà moi je le porterai la nuit. Je l'adore, je trouve ça super élégant. Donc au lieu de 30, je l'ai payé 15. Et je crois que vous avez, ouais, vous avez ici de quoi resserrer. Je trouve pareil que c'est super classieux. C'est incroyablement confortable de dormir avec du satin. Et je le trouve magnifique, je trouve ça super classieux. Je vous dis, c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez porter en journée, ça. Je vais vous montrer la première paire de chaussures et c'est une paire de chaussures sur laquelle j'avais louché depuis un petit moment. Je crois que maintenant elles doivent être à genre 8€, je les ai eues à 10 au lieu de 26. Et franchement voilà, j'aime bien, c'est le genre de chaussures toutes simples à plateforme. J'adore les chaussures à plateforme. Donc voilà, je les ai pris en 38 et honnêtement voilà, elles sont à plateforme. C'est le genre de chaussures passe-partout qui vont un peu avec toutes les tenues. Ça typiquement je mets ça avec un jean, un hoodie, on n'en parle plus. Franchement elles sont très bien et pour 10€ je me suis pas ruinée. Donc ça j'adore. Alors ça j'ai un doute, je sais pas si je vous l'ai déjà montré en vidéo. Auquel cas c'est pas grave, c'est encore en solde et encore disponible. C'est un petit pull comme ça avec des manches un peu ballon. Vous savez que moi tout ce qui est bouffant, ballon, tout ça j'adore. C'est pas forcément le truc qui me flatte le plus mais j'adore. J'adore la couleur, c'est un gris, je trouve que c'est passe-partout. C'est confortable, c'est facile à mettre. C'est typiquement le genre de truc que j'aime porter en télétravail. Je suis chez moi, j'ai pas envie de me prendre la tête et ça c'est parfait. Ensuite chez Mango je me suis pris cette ceinture là. J'adorais la couleur en fait, j'ai pas de cette couleur là. Et en fait voilà, donc j'ai une ceinture qui est un peu trop grande et j'ai une machine pour percer des trous. Donc écoutez, on fera ça, mais en tout cas, elle est vraiment canon. On poursuit avec les robes de chambre. Celle-ci, elle est magnifique. Je crois que c'est ma préférée. J'adore la couleur. C'est une couleur un peu sauge comme ça. Trop, trop jolie. Je vous dis ça, c'est le genre de truc. J'adore pour chiller avant de me coucher. Le matin, quand je sors du lit. J'adore ce genre de choses. Je trouve que c'est joli, c'est classieux, c'est féminin. Et c'est confortable surtout. Donc ça, j'adore. Alors ensuite j'ai ce petit gilet. Et en fait je sais très bien avec quoi je veux le porter. Il faut que je trouve une sorte de top de la même couleur. C'était pas la remise du siècle. Je l'ai à 10€ au lieu de 18. Voilà. Donc voilà, c'est le genre de truc, ça j'adore. Ou typiquement vous avez une robe, ça peut le faire aussi ça par dessus. Donc ça j'aimais bien, je trouve ça plutôt simple. Donc moi je les prends en ML.
Toujours dans le domaine du confort, du pilou pilou pour dormir, je me suis pris ce pantalon dufteux. Un bonheur. Alors c'est pas forcément sexy, je sais qu'il y a des filles qui le portent comme ça. Moi typiquement non, c'est impossible, c'est vraiment un truc pour rester chez moi, chiller, être tranquille, dormir. C'est c'est une couverture le truc, c'est incroyable, c'est un doudou, c'est super confortable. C'est pas sexy ni quoi que ce soit, c'était quand même 30 balles à la base et je l'ai eu à 10. Donc voilà, je l'ai pris en taille M, une taille un peu grand quand même, mais j'adore. Ça c'est le confort absolu. Alors ensuite je me suis surprise, je sais pas ce que j'ai, je me suis dit ouais en fait j'ai presque pas de robe, j'ai envie de tester des robes, je sais que c'est pas le truc qui me flatte le plus, ouais. C'est pas le truc dans lequel je suis plus à l'aise, j'aime vraiment pas montrer mes jambes, mais j'ai vu quelques petites robes mignonnes et j'ai porté celle-ci et franchement je l'aime bien, je l'ai portée 2-3 fois je crois et je l'aime vraiment beaucoup, j'adore le motif avec un collant semi-opaque, ça passe très bien, une petite paire de bottes à manches longues, elle est magnifique, c'est une Mango, je vous la montre portée. Et vous allez voir ses petites sœurs parce que j'ai commandé deux autres robes et celle-ci je pense que c'est vraiment ma préférée, j'adore. Je trouve que le motif est classieux, elle est super confortable, elle est légère, elle est canon cette robe. Ensuite un basique de chez Zara, je l'ai eu en solde, je crois que c'était pas la remise du siècle, hein, 4€ au lieu de 8. Et en fait c'est un petit débardeur comme ça tout simple, pareil, bleu pétrole, j'adore cette couleur. Canon, canon. En plus de ça, ce type de débardeur, ça vous fait un super joli décolleté. Et je trouvais que la couleur changeait. Donc ça, trop contente d'avoir mis la main dessus. Dernière robe de chambre promis, je l'adore aussi. Elle est toute noire. C'est une étame. C'est une étame. Et en fait, il y en avait une de chez H&M qui ressemble beaucoup. Mais d'un point de vue qualitatif, je vous assure que la Etam et la H&M n'ont rien à voir. Regardez-moi la merveille. Elle est toute noire. Et en fait, vous avez de la dentelle tout en bas, vous pouvez le porter aussi en soirée hein. Ça c'est super mignon je trouve, voilà vous prenez une petite pochette, un petit jean, un joli petit caraco en dessous, moi je trouve ça super sexy et c'est typiquement le genre de truc que je pourrais porter cet été, vous portez un peu de manière habillée, décalée et franchement c'est canon, et là vous avez de la dentelle aussi, donc là je l'utilise moi pour être en mode chill tranquille chez moi, mais je vous dis ça peut être recyclé, vous pouvez aussi l'utiliser en soirée. Bon alors là je vais être obligée de vous la porter parce que franchement elle fait pas de mine et elle est toute chiffonnée donc je vais la repasser, mais c'est cette robe là, j'adore la couleur, elle est magnifique, c'est le genre de robe que je déteste comme ça, il faut impérativement la cintrer pour que c'est un petit peu plus de forme et ce que j'adore c'est que vous avez des poches, elle est super confortable, je vous dis c'est un peu une matière satinée donc c'est pareil, ça glisse sur la peau, c'est super confortable et elle est belle, elle est super belle, ça avec une paire de bottes, franchement j'aime beaucoup et je vous dis je suis pas du tout robe, c'est pas du tout mon truc. Mais je sais pas, j'adorais la couleur, j'aimais bien la coupe. Alors la robe la plus improbable, honnêtement, si je l'avais pas montrée à mes sœurs et à mes copines pour qu'elles me fassent un retour, je pense que je l'aurais retournée, mais elles m'ont dit non, vraiment c'est sympa, ça change. Cette robe-là de chez Mango, c'est pas du tout mon style en temps habituel, mais je me suis dit ouais, si tu veux une petite robe en mode tranquille, chill, confortable, et ben elle est sympa, elle est super sympa, je vais vous la montrer portée. Et en fait au niveau de la couleur c'est pareil, c'est du noir mélangé un petit peu avec du vert sauge, alors comme ça on pourrait croire que c'est un peu zébré mais pas du tout, et franchement elle est mignonne, elle est vraiment mignonne portée. Ensuite on a cette paire de bottines, je sais pas, j'hésite à les garder parce que je trouve que, alors elles sont belles mais je trouve qu'il y a un peu trop de chaîne quand même. À l'origine elles étaient à 50€, je les ai eues à 20. Celle-ci je sais pas, j'ai vraiment un gros doute. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais pas, à voir, parce que je pense que bien habillée, avec un long manteau et tout, ça peut être sympa. Mais voilà, j'hésite encore. Franchement pour 20€ ça valait pas grand chose. Donc je sais pas, à voir, mais en tout cas j'ai réussi à me les procurer. Ensuite on a une paire de bottes que j'adore, ce sont des Mango, alors c'est un peu cracra, je vais vous les montrer et ça typiquement vous voyez c'est le genre de bottes que je veux porter avec les robes que je vous ai montrées, elles sont vraiment canon, à l'origine tu sais plus à combien elles étaient, elles devaient être à 60€ quelque chose comme ça, j'ai dû les avoir à 23, enfin vraiment pas cher du tout quoi, et puis elles sont super jolies, je trouve qu'elles font propre, elles sont classe. Elles ont un petit plissé, elles sont magnifiques ces bottes-là. Je me suis pas ruinée et elles sont vraiment belles, elles font leur effet. Ensuite, on a ce pull-là. Pareil, je me tâte à le garder. Je l'ai payé 16€ au lieu de 30. Il est comme ceci, un peu manche chauve-souris. Il est joli. Franchement, il est joli. Il existe aussi en vert, mais je le préfère en noir. Je trouve qu'il est plus facilement portable. Et bizarrement, j'ai très peu de pulls noirs. Alors c'est un truc con, je sais que c'est dans la garde-robe de la plupart des personnes. Mais moi j'ai très peu de pulls noirs et celui-ci je le trouvais plutôt sympa. Donc écoutez, on verra, pas certaine à 100% de le garder. Chez Mango, je me suis pris un petit sac, il est trop mignon. Alors voilà, en ce moment j'ai quand même une addiction pour tout ce qui est matelassé et avec des chaînes en or. Mais je le trouve trop mignon, il est vraiment joli. Alors attendez,
Voilà, vous avez aussi possibilité de le porter comme ça. Et franchement, moi, c'est le genre de petit sac que j'adore, que je trouve passe-partout, qui est mignon, qui fait son petit effet. Et j'ai dû le payer 10€ au lieu de 30, quelque chose comme ça. Donc franchement, ça valait le coup. Alors ça, je vais essayer de vous le porter parce que sinon, vous n'allez pas trop vous rendre compte. C'est un top body de chez H&M. J'adore les cols roulés, je trouve ça magnifique, je trouve ça super classieux. Et c'est un col roulé, tout ce qu'il y a de plus basique. Je sais pas si je vous le montrerai, je sais pas si je le porterai, mais c'est un col roulé, tout ce qu'il y a de plus basique, vraiment noir. Bon, il y a des petits cheveux dessus. Et en fait, tadaan, la sexitude, c'est qu'il est décolleté dans le dos. Et ça, j'adore quand vous avez un truc qui est super classique et tout. Et hop, un petit truc qui change, le côté décolleté dans le dos, j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs acheté une robe que j'ai pas encore reçue de chez H&M. Pareil, je vous la montrerai à un autre moment, je pense. Puis j'ai cette paire de chaussures que j'adore, que j'avais mis directement dans ma wishlist dès qu'elles sont sorties. Elles sont pas vieilles, hein, et elles étaient déjà remisées. En fait, au lieu de 50, elles sont à 36 et je les trouve trop belles. Franchement, je les trouve canon. Vous savez, elles sont bimatières comme ça et je sais pas du tout le genre de chaussures que je porte habituellement. Mais je sais pas, je trouve qu'elles ont de la dégaine, elles ont un truc en fait. Avec, je vous dis, un jean, pareil, un pull et tout, vous êtes en mode tranquille, je les trouve trop belles. Donc voilà, par contre elles sont super grandes, moi je suis du 38, j'ai dû les prendre en 37. Alors ensuite je me suis pris un ensemble, impossible de trouver le bas, je l'ai mis à laver, je sais pas où il est. Si je le trouve, je vous montrerai ce que ça donne. J'ai typiquement pris ça pour rester chill, tranquille chez moi. Voilà, c'est un sweat comme ça de chez Mango et j'ai pris le bas qui va avec et franchement c'est super confortable. Donc le haut je l'ai pris en M et le bas je l'ai pris en L et j'aime beaucoup le bas parce qu'il est moulant là où il faut, tout en étant super confort et assez loose à d'autres endroits. Donc voilà, ça j'ai pris ça. C'était quand même pas donné parce que je l'ai eu à moins 50% le haut et je crois que j'ai dû l'avoir à 16 au lieu de 30, quelque chose comme ça. Et le bas, pareil, il était assez cher. Donc voilà, j'en ai profité. Ça, c'est le genre de truc que j'adore. Typiquement, quand je suis en déplacement, j'ai pas envie de me prendre la tête, je prends ce type de truc et on est bien. Et alors, on va terminer avec des articles Zara. Ça aussi, c'était une veste que j'avais repérée, qui est passée dans les petits prix. Je la trouve super belle. Là encore, je vous dis, en ce moment, j'ai besoin... Alors autant j'ai des périodes où je vais aimer les trucs un peu très sophistiqués, près du corps et tout machin, mais là en ce moment j'ai envie de trucs loose, j'ai envie de trucs confortables où je me prends pas la tête, et bah ça c'est le genre de veste que j'adore, c'est super confortable au niveau de la matière. Puis il y a des petits détails au niveau des boutons que j'aime beaucoup, je l'aime bien, je l'aime bien cette veste là, je la porte en mode loose et tout tranquille et franchement elle est canon. Je crois qu'elle est à 25 au lieu de 50 et elle est vraiment canon. Ensuite ça j'étais tellement contente de les avoir, mais vraiment super contente parce qu'en fait dès qu'elles sont sorties, elles étaient dans ma wishlist. Je me suis dit il est hors de question, je mets pas 80€ dedans, sachant que moi en plus j'adore les talons, mais enfin autant vous dire que j'ai pas énormément d'occasions pour les sortir. Il n'y a plus de resto, il n'y a plus de ciné, donc mais elles sont sublimes. Elles sont sublimes, je me devais de les avoir. Et je les ai eues à 20€. Et franchement, elles sont sublimissimes. Je suis amoureuse. Elles sont vraiment canon. Elles ont une dégaine aux pieds, j'adore. Et alors ça, j'ai récupéré ce matin, j'ai une commande ce matin. Alors c'est une sorte de veste, je pense, un petit peu en pied de poule, je trouve canon. Alors vous pouvez la porter en robe si vous voulez, moi je ne veux pas du tout la porter en robe. Je veux vraiment la porter, vous voyez, en mode veste avec un col roulé. Elle est sublime, je ne l'ai pas encore portée. Je la trouve trop trop belle, super classieuse. Je la trouve trop trop belle, ça aussi pareil, c'était dans les petits prix. Je pense que ça doit être encore disponible. 40€ au lieu de 60, donc c'est pas la remise du siècle, mais c'est quand même ça. Vous voyez, c'est canon. Ça avec une paire de talons ou même les bottines que je vous ai montrées tout à l'heure, franchement c'est super beau. Avec une jolie paire de lunettes et tout, franchement j'aime beaucoup, ça fait très chic. Donc ça, voilà. J'ai ce pull là aussi de chez Mango. Alors je crois que j'ai vu ma meilleure amie le porter et franchement elle le portait super bien. Pourtant on n'a pas la même morpho, elle le portait super bien, je me suis dit non il me le faut, j'adore. C'est un col cheminé comme ça vous voyez, et en fait la particularité c'est oula l'ouverture juste ici, il est vraiment joli, vraiment vraiment, et en fait c'est un côté qui épate un petit peu parce que vous voyez c'est vraiment quelque chose d'assez loose, ça remonte jusqu'en haut, et le fait qu'il y ait une ouverture ça lui donne un petit côté un peu de graphique et tout, j'adore, trop beau. Et petit sac qui me faisait de l'œil chez Zara, c'est celui-ci. Je l'aime bien, je trouve qu'il a un côté chic. Il a vraiment un côté chic. Donc je l'ai eu à 20€ au lieu de 30. Pareil, c'était pas la remise du siècle. Mais franchement, il est très mignon. Je ne l'ai pas encore porté. J'adore la couleur. C'est une sorte de brun légèrement bordeaux. Et je trouve qu'il fait son effet. Vraiment, on dirait, limite, on pourrait croire que c'est pas un Zara. Très, très mignon.
Et dernier article, et pas des moindres, une paire de baskets que j'avais vu depuis super longtemps, qui était sur ma wishlist, qui était tout le temps sold out. Et quand j'ai vu qu'il y avait du réassort dans ma taille, j'ai pris direct. Elles sont sublimes. Ce sont ces petites baskets-là, les Nike. Je les ai déjà portées quelques fois et franchement, elles sont super belles. Elles sont super confortables, elles sont belles, elles vont avec pas mal de choses. Je trouve que là encore, vous voyez, on a le côté chill, mais quand même elles sont chic. Je kiffe, elles sont vraiment super belles. Je pense que j'avais eu moins 25% pour mon anniversaire, ce qui est pas mal parce que c'était pas donné, elle devait être aux alentours de 110 ou 120 euros. J'avais un cashback de 10 euros. Donc voilà, canon ces petites baskets. Écoutez les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un petit peu ce que j'ai acheté au cours de ces derniers mois. J'essaie de faire un petit peu plus attention à ce que j'achète. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah !